Salut, salut! On se retrouve donc dans une vidéo un petit peu un mélange entre un vlog et en même temps je vous présenterai quelques produits. Je vous explique tout de suite. En fait, je suis allée à la Poulette Mami Party qui est une soirée organisée par Manuela du Poulette Blog. Je vous invite d'ailleurs à aller à chaque fois que je vous en parle, à aller voir son blog parce que c'est vraiment une mine d'or, que ce soit niveau beauté, voyage, et vous avez même plein de petits articles aussi sur bébé, etc. C'est vraiment un blog très complet, donc moi je l'adore, je le connais depuis avant même d'avoir lancé mon blog, je connaissais déjà le Poulette Blog. Donc je vous invite à aller la découvrir et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller au poulet party. Et là c'était une poulet party spécialement réservée aux mamans, aux jeunes mamans. Il fallait avoir un enfant de moins de 3 ans si je ne me trompe pas, mais autour des 3 ans. Donc moi j'ai eu la chance d'être sélectionnée par Manuela et du coup, ben, étant maman déjà d'une petite fille que vous connaissez déjà, Kayla, donc qui a 2 ans, et d'un bébé qui va arriver dans un mois, dans quelques temps. Eh bien du coup, je me suis inscrite pour participer, j'ai été sélectionnée, donc je suis ravie. J'ai pu découvrir plein plein de jolies marques, il y a certaines marques que je connaissais déjà, d'autres que je connaissais pas, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Et en fait, quand on profite de ces soirées, on mange quelques petites choses, donc là c'était des crêpes, on profite de l'ambiance, on partage plein de choses avec d'autres blogueuses, donc ça c'est à chaque fois un grand plaisir parce que moi j'adore parler avec d'autres filles, découvrir d'autres parisiennes qui ont des blogs. Et là il y avait certaines c'était des blogs beauté, mais il y en avait d'autres c'était des blogs maman. Donc voilà, c'était un grand plaisir. Et puis du coup de revoir Manuela, c'est aussi un grand plaisir. Et puis du coup là à l'étage, donc en bas il y avait tout ce qui était nourriture et à l'étage il y avait tout ce qui était marque. Et on pouvait découvrir toutes les marques, les nouveaux produits, leurs nouveautés concernant maman et bébé. Donc c'était vraiment un grand plaisir cette soirée. Je me suis amusée, j'ai découvert plein de choses, enfin vraiment c'était un régal. À la fin de la soirée, Manuela nous offre toujours un petit sac qui s'appelle le Poulette Bag et du coup bah là on a été pourri gâtés. Donc je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans le Poulette Bag et puis après vous aurez des petites images de la soirée, de l'ambiance, de toutes les activités. Voilà, je voulais vous montrer aussi, j'ai filmé au fur et à mesure de la soirée mais j'ai pas fait ça sous forme de vlog parce que j'avais pas la force, mais j'ai quand même filmé les stands, l'ambiance. Enfin, voilà, j'espère que ça vous plaira, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Dans le poulet de bague, on pouvait le choisir en rose ou en bleu. Moi, j'étais plutôt team rose, hein, hashtag team rose, si vous aussi vous auriez pris celui-ci, ou le même en bleu marine. Alors, il était beau aussi, hein, mais voilà, j'avais envie d'un rose, donc on a un rose. Donc, avec l'illustration de Manuela et du poulet de bague, donc il est super joli à chaque fois. Elle fait des super jolis sacs. Lors des soirées comme ça. Et puis, il faut avouer qu'il est quand même bien rempli, donc ils nous ont encore pourri gâtés. Pendant la soirée, j'ai eu la chance de gagner, parce qu'il y a toujours un petit tirage au sort, et du coup, j'ai eu la chance de gagner une petite peluche que j'ai choisie comme celle-ci. C'est la peluche de chez. C'est mon Smarty, donc c'est une marque aussi Smarty. Et là, c'est la peluche The Licker. Il faut savoir que les vêtements de ce petit rat, eh bien, ils sont quand même faits par le styliste de Sonia Riquel, si je me souviens bien. Donc quand même, voilà. Et là, d'ailleurs, la marque Smarty, c'est vraiment une marque très très belle à découvrir. Et je vous en parle tout de suite. C'était une des marques qui était présente. Parce qu'on a eu la chance de découvrir la créatrice de la marque. Et en même temps, de découvrir son livre. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc la créatrice s'appelle Nadia Catril. Catril, je pense, si je ne me trompe pas. Et j'ai pu même faire... Catrib, pardon. Catrib. Il y a une petite carte qui tombe. Donc voilà, c'est l'histoire de Smarty. Donc voilà, ça commence comme ça. Et donc moi, Smarty, le rat, il y a toute son histoire. Et c'est une histoire de partage. C'est une très très jolie histoire. Voilà, elle nous a raconté en même temps sa vie. Parce que Nadia, la créatrice, elle a tiré tout ça de sa vie, de sa propre histoire à elle. Et elle a tiré cette histoire de rat qui est vraiment un partage aller vers l'autre. Et c'est vraiment une très très jolie histoire. Je vous invite vraiment à aller la découvrir. Vous pouvez trouver dans une grande ancienne, je sais plus si c'est Toys R Us ou Jouet Club, mais dans une grande enseigne comme ça, vous pouvez retrouver les livres de Smarty. Donc il y a le premier livre, donc celui-ci. Et je ne sais pas en revanche si les peluches sont trouvables. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'était des sortes d'éditions un peu limitées. Donc voilà, la première marque, c'est
Smarty, et je vous invite vraiment à le découvrir pour vos enfants parce que l'histoire est juste dingue. Moi, j'ai hâte de le lire à ma fille ce soir. Et d'ailleurs, elle était toute fan du petit rat quand elle l'a vu. Alors, j'avoue que j'aurais préféré pour ma fille le rat de l'opéra, là, qui est trop mignon, avec son petit tutu, mais il n'y en avait pas. Donc, j'ai choisi celui-ci parce que je me suis dit que ça pourrait être pour ma fille et aussi pour bébé 2. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Donc voilà, Smarty, il y a son livre et les petites peluches. Ensuite, on a pu découvrir la marque Forte Pharma, qui est une marque de compléments alimentaires de parapharmacie. Et du coup, ils nous ont donné dans leur petit sac un crocodile. D'ailleurs, j'ai fait une photo un peu bizarre avec une grande girafe. Vous avez vu ça? Et donc, il y avait le crocodile en grand que moi j'avais pendant la soirée. Et là, ils nous ont offert le petit crocodile pour nos enfants. Donc ça, j'ai trouvé ça trop craquant. C'est une super idée. Donc le super petit crocodile. Et à l'intérieur, il y a des compléments alimentaires, dont un pour enfants. J'étais très étonnée de découvrir des compléments alimentaires pour enfants, mais version un petit peu gomme, un petit peu bonbon, vous voyez. Ça s'appelle le mini gomme et c'est à partir de 3 ans. Et du coup, c'est pour le vert. En fait, il y a plusieurs couleurs et le vert, c'est pour les défenses immunitaires. C'est à base de propolis, de gelée royale et d'échinacée. C'est un goût de pomme et c'est en petite tête de crocodile. J'ai goûté, c'est pas trop mal, hein. C'est comme des petits bonbons en fait. En vrai, j'avais pas vu que c'était à partir de 3 ans, donc je peux pas leur donner à ma fille. Dommage. La pauvre, elle va devoir attendre. Sinon, c'est moi qui vais les manger. Donc voilà. Ah, ça pourra encore durer jusqu'à ses 3 ans, peut-être. Et ils font aussi tout ce qui est compléments alimentaires à base de gelée royale pour quand on a un coup de mou ou entre les saisons, pour les changements de saison. Alors on peut faire une petite cure comme ça de gelée royale. Et ben, ça c'est plutôt cool aussi en forme d'ampoule. Donc ils ont été hyper généreux, la marque Forte Pharma. Donc ça je testerai, je vais attendre de ne plus être enceinte, mais ça je testerai avec grand plaisir. Parce que ça me dérange pas les compléments alimentaires. Après j'en prends pas pour tout, mais là pour tout ce qui est forme, défense immunitaire, c'est plutôt cool. Ensuite, on a découvert la marque Calmosine, qui est une marque que je connaissais déjà. Je sais pas si vous la connaissez déjà, mais moi je la connaissais pour tout ce qui est colique. En fait, ils ont une sorte de petit sirop que vous donnez à bébé le soir, je sais plus exactement les dosages. Et ce sirop, eh bien, il calme un peu les coliques et votre bébé est beaucoup mieux. Et honnêtement, ça a beaucoup marché sur ma fille. Ils ont sorti leur gamme spéciale sommeil, qui est pour les enfants à partir d'un an. C'est la Calmosine sommeil bio, et tout est bio à chaque fois chez Calmosine. Et du coup, bah là, je suis contente de l'avoir, même si ma fille n'a pas de problème de sommeil pour l'instant. Avec l'arrivée de bébé 2, j'ai peur qu'elle en ait. Comme ça, si elle en a. On n'est pas obligé d'utiliser sur cure, hein. Ça peut être de temps en temps s'il y a besoin, ça peut être 3 jours, enfin voilà, c'est vous qui voyez comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment une marque que je vous conseille, même pour tout ce qui est colique, etc. Si vous avez un bébé en bas âge, c'est juste génial et c'est du bio et ça dure. C'est en forme de petit stick en fait. Du coup, même pour les coliques, hein, c'est en forme de stick, sauf que c'est une boîte verte. Et voilà, ça vous dure quelques temps, c'est super. Ensuite, il y a la crème des charmes, qui est une crème aux 3 huiles essentielles qui protège, apaise et régénère. En fait, c'est une crème que vous pouvez utiliser partout. Bien sûr, c'est pour les enfants de plus de 3 ans aussi. Mais c'est une crème, voilà, dès que vous avez une irritation sur les lèvres, une petite chose ici, enfin voilà, toute irritation sur n'importe quelle partie du corps, vous pouvez utiliser la crème des charmes. Donc une crème un peu à tout faire. Et ça, je trouve ça très sympa. C'est le genre de crème que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai celle de chez Embryolisse que j'aime déjà beaucoup. De chez Nature et Découverte, on a été juste pourri gâtés. Et j'ai été super heureuse de recevoir par la marque cette petite chose-là qui est... je sais pas si vous connaissez des sortes de cartes que vous pouvez mettre à côté de bébé pour faire les photos évolutives en fait de sa vie. Du style, aujourd'hui j'ai fait ma première nuit, aujourd'hui j'ai 4 mois... Vous voyez, vous posez la carte à côté comme ça et vous faites vos petites photos sympas. Et ça coûte quand même 17,95€ chez Nature et Découverte. Et je l'avais mis dans ma wishlist pour ma fille. Et je l'ai pas eu et je l'ai pas acheté du coup. Et j'ai improvisé une autre façon de le faire. Mais voilà, je suis contente que pour bébé 2, je l'ai. Donc ça, c'est super cool. Donc aujourd'hui, j'ai mangé ma première purée. Aujourd'hui, j'ai souri pour la première fois. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc super cool. Et c'est de la marque Milestone, je pense, Milestone. Toujours chez Nature et Découverte, on a pu découvrir les Clipit. Et en fait, c'est un truc génial. Mais alors, comment vous expliquer comme ça? Dans la vidéo, vous verrez.
à la fin. En fait, c'est avec les bouchons que vous récupérez, les bouchons de bouteilles. Vous récupérez tous les bouchons de bouteilles et avec vos enfants, vous pouvez réaliser des formes géométriques, des papillons, des choses comme ça. D'ailleurs, même pour ma classe, ça sera génial. Et ça, c'est des petites pinces en fait qui vous permet d'assembler les bouchons ensemble pour faire une forme de papillon, etc. Donc, c'est juste dingue. Je vous mettrai le lien du Nature et Découverte en barre d'infos, mais je trouve que c'est dingue. Et après, voilà, vous réalisez par exemple, là, c'est une tête de fantôme. Ils vous disent, il vous faut tant de bouchons, les bouchons de bouteilles, de lait, tout ça, voilà. Génial. Donc, merci Nature et Découverte. D'ailleurs, ils avaient un stand juste énorme et pff, trop de choses, trop bien, dont les jeux Montessori. Alors, moi, je suis une, je vais pas dire une grande fan de Montessori, mais en tout cas, c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement depuis que je suis enseignante, avant même d'avoir des enfants. J'ai les livres Montessori, j'ai quelques jeux Montessori, j'essaye de faire attention. Ma fille, j'essaye de faire en sorte qu'elle développe grâce au Montessori. Et il y avait trop de jeux Montessori, trop bien. Et je me dis que je vais faire une wishlist pour ma fille, pour son anniversaire peut-être. Ou en tout cas, je vais lui en acheter d'autres. Et là, ils nous ont offert donc un jeu Montessori qui est le tri de jetons, qui est donc de chez Nature et Découverte. Et c'est juste dingue, c'est à partir de 2 ans, ça permet de trier les jetons par couleur et en même temps de travailler le comptage des jetons. Enfin voilà, c'est travailler et apprendre par soi-même. C'est ça Montessori, si vous connaissez pas. C'est apprendre par soi-même, comprendre par soi-même et avoir envie aussi de le faire par soi-même en étant accompagné par l'adulte parfois. Et du coup ça, je me dis que ma fille c'est hyper... Enfin voilà, c'est hyper... comment dire ? Que c'est intuitif et que ça va lui plaire. Enfin ça va vraiment lui plaire. Donc ça je suis super contente, vous imaginez même pas. Donc c'est cool parce que dans cette soirée moi j'ai beaucoup profité, je me suis fait plaisir. Et en plus de ça je vais pouvoir gâter grâce aux marques ma fille et mon fils. Donc trop bien. Bravo! J'ai aussi découvert la marque Maman va être jalouse. Alors j'en ai beaucoup vu des photos sur Instagram, etc. sur cette marque parce que c'est trop craquant la collection. Mais je connaissais pas particulièrement. Et en fait c'est une marque. Voilà, déjà le design c'est un peu... Voilà, c'est super mignon. Et c'est une marque qui vous... C'est une vraie histoire en fait. C'est une maman qui a décidé de réaliser sa propre marque de cosmétiques avec sa... Enfin, pour sa fille parce qu'elle cherchait des produits... Pour sa fille, une sorte de relation, puisque votre fille, quand elle grandit, elle a envie de faire comme maman, elle a envie de mettre du vernis comme maman, elle a envie de mettre du rouge à lèvres comme maman. Et vous avez souvent les maquillages bas de gamme que vous trouvez dans les foires fouilles, etc., qui sont vraiment pas terribles. Même moi, je sais pas si j'ai envie que ma fille elle ait ça. Là, ce sont des produits, elle propose des vernis et des sortes de rouge à lèvres, un peu baume à lèvres, un peu brillant, qui sont adaptés pour les enfants, c'est-à-dire pas du tout nocifs pour eux, pas avec des produits bizarres à l'intérieur. Et en plus de ça, hyper facile à laver, donc elle a tout compris, la créatrice. Et par exemple, elle nous a offert un petit vernis, donc là c'est un vernis un peu rose. C'est une sorte de vernis à eau, qui se démaquille, entre guillemets, ou qui s'enlève au savon, tout simplement. Donc c'est tout fabriqué en France, il y a des normes, c'est sans parabènes, sans colorant aussi, je sais plus comment ça s'appelle, azoïque je crois, sans colorant spécifique, voilà, sans parabènes, sans solvant, et ça sent pas du tout le vernis quand on l'ouvre. Mais ça a l'effet d'un vernis sur les ongles, c'est-à-dire que si votre fille elle en met et qu'elle fait sécher, ça fait comme un vernis, mais en très très pâle. Voilà, ça a vraiment le packaging du vernis, et honnêtement ça sent rien quoi, enfin... Et ça a l'effet du vernis, et après elle se lave au savon, et tout est parti, tout est nickel. Donc moi j'ai trouvé le dé, en fait, super sympa, du maquillage pour enfants, mais sain. Voilà, et j'ai trouvé ça sympa. D'ailleurs, je pense que ma fille, là, elle n'en a pas d'intérêt, parce qu'elle est encore trop petite, donc je l'offrirai peut-être à une nièce ou quelque chose comme ça. Mais c'est une idée, enfin c'est une marque qui, je pense, va beaucoup se développer. C'est vraiment un concept très très original. Je vous invite vraiment à aller découvrir la marque. Si vous avez des petites filles autour de 6 ans, 7 ans qui ont envie de commencer à mettre du vernis, mais vous voulez pas qu'elle utilise votre matériel et que c'est pas bon pour elle, tournez-vous vers ça. Ensuite, on a découvert la marque Corinne de Farm. Vous connaissez tous Corinne de Farm quand même. Eh bien... Ils ont sorti, alors ils avaient déjà depuis longtemps, d'après ce que j'ai compris, une gamme bébé, mais moi je ne la connaissais pas du tout. Donc là, c'est les lingettes visage et mains au calendula apaisant. Ils sont parfumés, mais c'est délicat, c'est doux, et c'est plutôt pas mal, parce que moi j'aime pas du tout les lingettes bébé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont sorti aussi quelques nouveautés quand même. Donc un gel extra doux corps et cheveux pour toute la famille, mais surtout, voilà, vous pouvez l'utiliser sur le nourrisson, le bébé, l'adulte, enfin... À la fleur d'amandier, hydratant, sans parabènes, hypoallergénique, etc. 100% naturel. Donc ils ont sorti une gamme un petit peu plus
enfin, ils ont ressorti leur gamme bébé. Et ça sent vraiment le bébé. Le bébé tout doux, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais une odeur de bébé assez simple. Donc, ça, c'est très agréable. Ça va aller dans la salle de bain. D'ailleurs, ils ont aussi un surgras que j'irai acheter, je pense, pour bébé, parce que moi, je préfère les surgras. Et ensuite, ils ont aussi une crème ultra nourrissante pour les peaux très sèches et sensibles, hypoallergénique, 100% naturelle. Donc, c'est une sorte de cold cream. Donc, c'est ma deuxième ou ma troisième cold cream d'une autre marque. Donc, je pense pas en avoir beaucoup l'utilité, mais je vais voir parce que c'est vrai que ma fille, elle commence à avoir les jambes un peu sèches. Donc, pourquoi pas l'utiliser sur ses jambes. Mais voilà, vous savez qu'il y a plusieurs gammes et il y a aussi une gamme avec le bouchon bleu vert, il y a bleu, vert et rose, donc il y a trois gammes différentes. Et pour finir, j'ai découvert la marque l'Atelier Imaginaire qui est vraiment génial. Alors pareil, c'est pas adopté encore pour ma fille parce qu'elle est trop petite, mais c'est un site internet où vous pouvez commander des box mensuelles pour votre enfant. Et vous, au passage, enfin pour vous, ensemble. Et vous reconstruisez, dans cette box, il y a trois choses à construire, à faire avec votre enfant, des loisirs créatifs. Et vous avez souvent un jeu final, un jeu de plateau, ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez trois constructions et après on vous apporte des petits accessoires pour réaliser votre jeu de plateau. De toute façon, vous verrez ça dans les photos. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, lors de la soirée, ils proposaient un atelier de fabrication. Et vous pouviez fabriquer un insecte, etc. Alors moi, je ne l'ai pas fait. Mais la dame, une des créatrices, proposait de customiser leur sac, en fait. L'atelier imaginaire. Donc voilà le sac. Et du coup, moi, elle a customisé pour ma fille son doudou. Parce que c'est quand même, en ce moment, elle est à fond dans son doudou. Et du coup, elle a customisé le sac avec son doudou. Donc, c'est exactement la même tête que son doudou. Hein. C'est un petit lapin qu'elle ne lâche pas. Et elle a écrit pour Kayla de la part de l'atelier imaginaire. Donc, pareil, c'était dédicacé. Et puis, parce que j'ai vu qu'elle faisait des beaux pandas. Donc, j'étais obligée de penser à ma copine Mélanie, de la chaîne Happy Together 17. Et j'ai demandé aussi un sac pour elle, pour son fils. Et il est dédicacé aussi pour Nat de la part de l'atelier imaginaire. Donc, superbe ce petit panda. Donc, ça, c'est ma petite touche pour Mélanie. Fallait que je pense à elle pendant ma petite soirée quand même, parce que j'aurais voulu qu'elle soit là aussi. Et on nous a offert un petit sac. Donc, j'ai pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. En revanche, je pense que ça doit être une sorte d'atelier aussi créatif pour le faire avec nos enfants. Il y a tout en fait à l'intérieur, même les ciseaux, c'est trop rigolo. Les ciseaux, les stylos, le papier pour réaliser. Alors qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ça? Donc là ils nous ont mis à chaque fois leur thème mensuel, leur box mensuel c'est sur un thème. Par exemple les Indiens, la forêt de Brocéliande, enfin je vous dis n'importe quoi. Donc là ils vous mettent à chaque fois un thème. Donc voilà, l'atelier imaginaire. Vous voyez, vous avez des constructions, des choses comme ça à faire avec vos enfants. C'est vraiment génial si vous avez des enfants autour de 5 à 10 ans. Je pense qu'ils peuvent s'éclater avec ce genre de box. Elle coûte 22€. D'ailleurs, je trouvais ça pas très cher pour une box de loisirs créatifs. Et donc, ils vous mettent des fiches explicatives comme ça avec tout le matériel. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser. Et là, c'est pour réaliser une couronne de fleurs. Ça, c'est génial, regardez. Une couronne de fleurs. Et après, ils vous expliquent un peu où est-ce qu'on trouve ces fleurs rares, etc. Mais c'est génial. Moi je trouve ça dingue. Et dedans ils vous mettent tout le matériel etc. pour faire vous-même avec votre enfant l'atelier. Donc je sais pas si je le ferai avec ma fille. Parce que bon, est-ce que je vais me lancer là-dedans avec un enfant de 2 ans. Mais pourquoi pas, peut-être essayer, je verrai. Lui faire faire quelques petites choses peut-être. En tout cas c'est hyper sympa. Je vous invite à aller découvrir tous ces sites-là. Moi j'ai fait plein de découvertes Vous l'avez vu, je vous mens pas. J'ai fait plein de découvertes et effectivement on a été gâtés, mais en plus j'ai fait des jolies jolies découvertes, des marques qui me plaisent beaucoup. Je vous invite à aller voir mon article sur le blog sur tout ça si vous voulez en savoir plus et à regarder un petit peu les images de la soirée. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour d'autres vlogs blabla. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite, salut salut.